Nous voici donc au jour tant attendu, tant préparé depuis des mois. Vous pouvez voir autour de nous que tout le monde est sur le pied de guerre. Dans quelques instants, dans quelques minutes, cela va mettre en route. J'espère que ça va être un beau spectacle qui va vous plaire. Nous qui l'avons vécu dans les entraînements, on sait que ça va être bien, mais maintenant reste à convaincre le public. Déjà comme ça, vous voyez les tenues, elles sont bien. Alors nous comptons sur votre présence, mais maintenant il est déjà trop tard. Quand vous verrez cette émission, le spectacle sera terminé. Mais d'ores et déjà, nous vous donnons rendez-vous pour l'année prochaine, pour la suite, pour arriver au millénaire d'aujourd'hui. Au revoir. À l'époque où la ville du Cateau-Cambrésis n'existait pas encore, nos ancêtres foulaient déjà cette terre qui deviendra le Catésie des Gaulois. Ces Gaulois-là faisaient partie de la tribu des Nerviens. Certains étaient artisans, d'autres chasseurs, d'autres encore commerçants, mais tous étaient de redoutables guerriers. La Gaule était ainsi nommée par les Romains pour deux régions occupées par les Celtes.
la Gaule transalpine étant déjà province romaine. Quant à la Gaule chevelue, elle était celle située au-delà des Alpes et comprenant la Suisse et la Belgique. Comme de nombreux peuples à l'époque, les Gaulois vénéraient plusieurs dieux. Les plantes à guérir et que les hommes chassaient, cultivaient ou commerçaient, les femmes s'affairaient aux tâches ménagères dans les huttes de terre. Quelques décennies encore, nos Gaulois auraient pu vivre longtemps sans souci. C'était sans compter sur un peuple venu du sud. Un peuple conquérant. Nous étions 57 avant Jésus-Christ. Ce peuple s'appelait les Romains. Bagacom. Capitale de la Nervie, qui deviendra plus tard, beaucoup plus tard, Bavay. Yeah.